Hello tout le monde, c'est Nessendil sur Arc Hardcore. On continue. Donc moi là, je suis en train d'enregistrer à fond de balle sur la même journée. Donc j'espère que la série vous plaît. Pour le moment, je n'ai pas de retour. Donc là, il nous faudrait du métal. Mais si, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille chercher du métal. On va prendre lasagne et paupiette. Lasagne a passé de niveau. On va lui mettre. Hop, hop, on va aller chercher du métal, voir dans la plaine après tout, pourquoi pas s'il n'y a pas des nouveaux chevaux. Et ensuite, on ira un petit peu proche Redwood. On va commencer à aller voir un petit peu côté Redwood parce qu'il nous faudrait vraiment de la chitine pour faire la selle de notre Ptera. Je me suis permise, pardon, de faire la selle de Hulk parce que je voulais fermer un petit peu des baies. Pour relancer des narcos, ce que je viens de faire. Du coup, on bouge. On va aller chercher du métal. De la peau. Si on a moyen sur la route. Parce que mine de rien, voilà, avec les selles et l'upgrade des selles, j'ai besoin d'une quantité énorme de peau. Et du coup. Bah voilà, pour le moment, rien de très folichon. Ouais, je parle bizarrement, mais c'est parce que je réfléchis en même temps. Du coup, est-ce qu'il y a des nouveaux poneys ici? On dirait que non. Il y a juste un galil là-bas. Je vais donc tâcher de chercher du métal. Peut-être qu'il y en a là au bout, sinon il y en a ailleurs. Et on s'arrête s'il y a quelque chose d'intéressant. Impec, il y en a bien ici. Du coup, on n'a pas besoin d'aller très loin. On va aller retourner mettre ça à fondre. Quand même jeter un petit coup d'œil, voir si je revois pas un poney ou deux supplémentaires avec des niveaux pas trop affreux. Et ensuite, on va attaquer la Redwood, hein, en faisant attention. On va être prudent, le plus prudent possible. Parce que je le répète, on joue en hardcore. Ce qui fait que si je meurs, eh ben c'est fini. Si je meurs, c'est fini. Mon perso repart à zéro. Enfin, en gros, je recrée carrément un perso. Je n'ai plus accès à toutes mes affaires, à mes animaux, etc. Même si j'ai déverrouillé les choses, techniquement, ça me permettrait de revenir chercher un peu de bois, un peu de machin qui traîne. Mais voilà, pas les animaux, rien. Et honnêtement, je vais pas tout recommencer si je meurs. La série s'arrête si je meurs. Donc, on va pas mourir. Je crois que c'est le plus simple, hein. Ouais, on va pas mourir. Bon bah il n'y a rien l'air d'y avoir d'intéressant. Ouais. Il n'y a rien de bien folichon. On va monter encore un peu, mais on va faire attention parce qu'on peut vite tomber sur des allosaures, un gigano, très clairement. Il est niveau combien lui? Je sais pas regarder. On va taper dessus, puis on verra après, non? De toute façon, ça ferait de la peau au pire, hein. Aïe! Pas assez. Du coup, il devait pas avoir un trop mauvais niveau. C'est allé pas trop loin. Ouais, bon, d'accord. Alors, il y a un mouton là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas de poney. Il y a trop de moutons hein, dans cette map. Ok, il y a un bronto. On va pas s'attaquer à un bronto, hein. Un bronto. On va aller voir par là. En étant prudent, très prudent, parce qu'on arrive quand même en zone où peut potentiellement y avoir du carnivore. Ah, faut qu'on fasse des bolas avant d'aller dans un autre coin. On peut faire des bolas, ça sera pas mal. On va peut-être pas passer là, on risque de perdre le. Quoique, si on marche bien droit, il devrait passer. Si on le perd en bas, on va en avoir gros quand même, hein. Ouais, bon, de toute façon, on va pas trouver grand-chose là-bas. Ouais, il y a encore un mouton. De toute façon, si on veut vraiment commencer à chasser, à faire des choses intéressantes, il va falloir oser bouger. Donc, je crois que la Redwood, va falloir y aller. Hein. Pas dans la Redwood Redwood, hein. On va éviter de se prendre un Tila Coléo sur la tronche. Mais au moins aux abords. Au moins commencer à s'en approcher aux abords. Hein. Ouais, il n'y a pas grand-chose par là. Je vais rentrer mettre mon métal à fondre. Et ensuite, craft des bolas. Et je crois qu'on est à peu près prêt à essayer de bouger un peu. Ça fait peur. Ça fait très très peur. Je veux pas mourir.
Potentiellement des nouveaux copains. Est-ce que j'ai des carottes? Ah merde. J'ai que ça? Oh non, j'ai que ça comme carottes. Oh shit. Alors 3, c'est potentiellement suffisant. Hein. Oh, on a que 3 carottes. Oh mince. 3 carottes, c'est potentiellement suffisant si on se merde pas. Mais comme on se merde à chaque fois en général. T'es niveau combien? Oh mince, faut qu'on aille vite fait chercher des carottes. Je crois qu'elles sont vraiment pas loin en plus. Non! Bah bravo. Attendez, les carottes, elles sont pas juste là. Là, c'est des fleurs rares. Ah, on va en prendre si on croise un tapé-jara. Et un tapé, ça peut être bien. Hein. Je me vois pas trop faire un argentavis. Excusez-moi, hein, je me vois pas trop faire un argentavis sur ce serveur-là. Mais par contre, un tapé-jara, parce que faudrait s'essayer Wyvern. Pas là tout de suite, hein, très clairement. Mais faudra s'essayer Wyvern à un moment donné. Ça peut être quand même cool. Et du coup, bah, il va nous falloir un volant. Hein. On peut pas tellement aller dans les volcans avec des terrestres. Ça peut, hein, ça faut quand même un volant. Donc, faute d'argent, ta vie, sans taper, Jara, ça peut être pas mal. Où est Popiette? Bah, Lasagne, il est où, Popiette? Où c'est qui s'est coincé? Là. Bon, les poneys, ils sont où? Je crois que celui-ci, c'était le tout bas level, à moins que ce soit un autre noir. Il y a un gris là-bas. Popiette! Écoutez, on va descendre. Logiquement, on est safe. Dans cette zone. Et on va aller voir le poney là. Mais dans mes souvenirs, c'est celui qu'on a regardé la dernière fois, à moins que ce soit un autre. Hein. Il était tout petit level. Ouais, dans 45, non. Mais il y en avait un autre blanc. Puis bah tous ceux qui se sont barrés quoi. Ti-ti-ti. Vous êtes sages, hein. J'essaie de trouver un nouveau copain pour l'écurie. Là on est en mode chevaux. Ah non, c'est celui-là qui est encore plus bas level. Je sais pas. Écoute, on va regarder. Alors. Ah oui, c'est celui-là qui était niveau 25. Ouais, du coup. Bon, il y en avait encore deux autres tout à l'heure, mais je sais pas trop où ils sont partis. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Oh, 45, on le fait pas. Hein. Faut pas déconner. Hein. Je veux bien de la chair à canon, mais il y a des limites. Hein. Faut que ce soit quand même gérable comme chair à canon. Redescendons. Tant pis. Retournons chez nous. Faire fondre le métal. Craft quelques trucs et ensuite il va falloir tout doucement se décider à aller affronter le monde. Ah, lui, on l'a pas vérifié. Il est juste à côté de la maison, lui, tranquille. Ah, il y a des pteras là-bas aussi. Ah, mais lui non plus. Ah, restez là. Restez là. Je vais essayer de pas faire ma bourrine, ça c'est pas gagné. Allez, on a besoin de continuer notre troupeau. Ouais, les 90, on prend. Ça va, copain. Allez, tout va bien. Ah, bon, bah, je te présente Popiette. 90, c'est pas super, hein, mais je me dis pour faire ma chair à canon, voilà, avoir vraiment un troupeau, ma foi. On y est presque. Copain? Une carotte? Laisse-moi te donner une carotte, s'il te plaît. Voilà. On regardera ton sexe après, j'ai pas fait attention. Et lui, mais lui il va avoir peur parce qu'il va arriver sur les chevaux. Il va se dire, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces chevaux? J'ai pas vu. 25? 25? 25. Ça peut être 125, hein. Non, 25, non. Alors nous avons un nouveau mâle, chair à canon. On va l'appeler saucisse. Merde. Et c'est parti! Et on va y aller en troupeau de canassons. On va voir un petit peu qui on prend. Après, il n'y a pas le côté de se dire bah, je prends pas tout le monde parce que si je meurs, qui me reste? Oui, oui, mais non, parce que si t'es mort, t'es mort. Alors voilà quoi. Je vais regarder si je peux up encore un coup la selle, mais je pense pas. Peut-être up la selle de lasagne aussi.
Au moins la sienne. Si je peux pas faire mieux, on doit boire un coup. Nager. Bola. Et après, on décolle. Est-ce que je peux up celle-là? Non. Est-ce que je peux up un coup celle-là? Non plus. Il me manque quoi que du bois? 17 bois. Oh, bah, je bouge pas, mec. Je te les récupère. Ah bon, attends, on va faire simple. Hein. D'accord. Voilà, bon, on va pas aller refarmer le bois maintenant. Les bolas. On va faire genre 5 bolas, même plus, hein. Franchement, les bolas, ça peut aussi. Enfin, ça peut tellement nous aider. Qu'est-ce qui se passe? Je vois. Non, rien, c'est moi qui bug. Ok, ça c'est bon. On a 71 flèches narcotiques. En plus, j'avais un peu upgradé mon arbalète. J'ai un peu upgradé ma lance, vraiment un tout petit peu, hein, le temps d'avoir du métal. Donc, on a quand même ça. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que ça va le faire pour une première sortie. On va pas faire des trucs compliqués. On va juste s'éloigner un peu, voir si on peut trouver. Ne dis pas que j'ai pas récupéré les selles. Voir si on peut trouver de la chitine pour faire enfin la selle du Ptera. Notre Ptera tout pourri là, mais qui sera suffisant pour s'éloigner un tout petit peu. Au moins survoler la zone en fait. Ça va être pratique pour au moins survoler la zone. Quitte à ressortir après avec les poneys, à retourner après avec les poneys. Mais au moins survoler. On a du mouton, des baies, des carottes. Bon, un peu de vitesse, mon gars. C'est lasagne, le cogneur, la cogneuse. Et on va prendre qui d'autre avec nous? Qui c'est qui a le plus XP là? C'est Pizza. Pizza, tu vas venir aussi. Regardez, Pizza. Hein, de toute façon, autant mourir avec nous, non? Tu crois pas? Après tout. Voilà. Regardez comme elle est contente. Il est content. Elle est contente. Il est content. Hop. Hop. Non, non! Non, non, t'étais rangée en plus. Et c'est parti! On est prêt. On est prêt à se battre. On est prêt à rester vivant. Vous entendez? On reste vivant, hein. C'est important, les gars. Ok? On doit pas mourir. Les gens, ils seraient trop tristes. Moi, en tout cas, j'en aurais gros. Alors, on meurt pas. Allez, on y va. Le souci, ça va être les. Car vous allez me défendre. Le souci, ça va être tout ce qui endort. Purloia et le piaf, là. Ça va être le souci en Redwood. Parce que tout ce qui est raptor et tout ça, on devrait s'en sortir. Je suis en cuir. C'est pas très malin de sortir en cuir, hein, je suis d'accord. Mais le temps que le métal fonde, ça va prendre longtemps. J'ai qu'une forge, pas tellement la place d'en mettre plein. Même si ça aurait pu être intéressant de farmer et mettre plein de forges. On va faire ça pour le moment. Oh, Kikikine! Là, mangez-le, lui. Avant qu'il aille dans l'eau. Ah, je pensais. Vous l'avez? Compliqué, hein? Attendez, je vais vous aider avec la lance parce que là. Ah, quand même. Yeah! Techniquement, là, on peut déjà aller faire la selle. Je pense que là, on peut déjà aller faire la selle. Mais on va rester encore un peu. On va y aller un petit peu. On n'a pas peur. On n'a pas peur, tout va bien. Tout va très très bien. Faut juste pas perdre les poneys qui suivent. Voilà, on est dans le bruit de la Redwood. Voilà, ça y est, il est bien là. On y est. On y est, on y est. Oh, il y a un cerf. Techniquement, ça peut être pratique aussi un cerf pour faire du branchage, mais bon. Est-ce qu'on est vraiment au stade de prendre toutes les bêtes de farming? Je sais pas trop. Oula, c'est quoi là-bas? Ce n'est pas un cerf. On y va, boulot. On va se prendre un carnot. Le carnot, je pense qu'on peut se le faire. Hein. Franchement. S'il n'est pas trop, trop costaud, on peut se faire un carnot. Ah bah c'est justement un carnot là-bas.
Ah, par contre, le Carnot Alpha, non. Ah non, le Carnot Alpha, non. Non, non, là, non, ça passe pas. Ah non. Ah non, lui, non. Lui, c'est sûr qu'il passe pas. Par contre, le Carnot là-bas, il y a possiblement moyen. Oh, on se le tente ou pas? Ah, il y a un Terror Bird qui a embêté une boulette. C'est chiant de ne pas avoir les niveaux. Il nous faudrait du cristal pour ces affaires-là. Ouais, il faudra que j'aille chercher du cristal en fait. Ouais, c'est blindé de Terror Bird, mais ça, on peut les zigouiller. On n'a pas le niveau du Carnot. Je pense qu'on peut se faire le Carnot. Je pense. De toute façon, à un moment donné, on va vite le savoir, non? Ah, j'ai cru qu'il nous fonçait dessus. Non, il remonte. Il fonce sur une bibiche. C'est pas très prudent hein, de se promener sans longue vue. Hein. Je ne sais pas où je dois aller chercher du cristal. Je sèche un peu. Ça fait pétochard, hein, là j'en conviens. Ça fait un petit peu pétochard comme façon de jouer. Mais je vous rappelle que si je meurs, c'est fini quoi. Pauvres petits poneys seront abandonnés dans la nature. Ça, c'est des campis. Cassos, les campis. Alors, par contre, vous sautez pas comme des cons. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre. C'est des campis, les gars, on se détend, hein. Peut-être revenir? Qu'est-ce qu'ils font? Oh, on est là, hein. Oh, bah, ils vivent leur meilleure vie. Ah, il est là-bas, le Carnot. Je sens très bien le Carnot. Mais, ouais, maintenant, pour y aller, faire le tour, quoi. Je sais pas s'il est endormable. Bon, lui, on va le... Lui, hop. Mais il se sauve. Par contre, lasagne, lasagne, reviens. Non, reviens. Non, parce que... En fait, à un moment donné, il y aura un Carnot Alpha. Il n'est pas très loin. Il était par là, le Carnot Alpha, en dessous. Hein. Qu'on se détend, quand même. On lui a fait très, très peur, au poulet. Hein. On est d'accord. Il vient de fuir. Il a eu très, très peur. Mais il ne tombait pas sur le Carnot Alpha. Parce que je vous perds. Hein. Et je ne vais pas vous chercher. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Ah bah, voilà. On va vite savoir. Oh, putain, il cogne. Oh, il cogne. Là, faut l'endormir, les gars. Hein. Là, on y va, on tue ou on l'endort. Mais oh, il fait mal, hein? Ouh, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Trois poneys, c'était peut-être juste. Allez, mettez-moi ça par terre. Mettez-moi ça par terre. Ta-ta-ta. Ouais, on n'est pas encore prêt pour les Rex, hein? J'ai plus d'enlu. Allez les copains, on va la voir, on va la voir. Ouh, 140, pas mal. C'était un beau Carnot. Oh, ouh là là, pizza pas bien. Je crois qu'il faut vraiment que je leur mette une selle à tous. Ouais, oh la pizza, on va le ramener. Oh, il est vraiment pas bien. Ouais, non, il faut des selles. Là, il faut vraiment des selles. C'est sûr, c'est certain, on tient pas mal avec les selles. Wow. Ouais, avec les selles, on est bien. Hein. Mais sans selles, on voit la différence. Hein. Oh, on voit tellement la différence. Ok. Il nous faut l'échelle. Il va falloir farmer. On n'est pas prêt. Oh, elle est trop belle cette petite biche noire. Je suis désolée, il nous faut de la peau, madame. Des tonnes de peau. Si tu savais la... Bah venez, 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 venez. Laissez-la. Sauf si elle revient. Bah madame. Madame, vous n'êtes pas très cohérent. Ah si, elle repart. Bon, foutez-lui la paix. Ouais, il va nous falloir des tonnes et des tonnes et des tonnes de peau. Pour que notre armée de poneys soit au point. Parce que... Sans selle et donc sans armure, visiblement, c'est pas ça.
On n'est pas encore totalement au point. Voilà, la selle est un peu moins bonne et le poney est un peu moins bon. Et tout de suite, là, on voit que les points de vie ont bien baissé aussi. Mais alors lui, lui, on a failli perdre. Ce qui n'est pas très grave, hein, celle-là, j'irai à canon. Hein. Ah! C'est pas très grave en soi. Mais ça prouve que... Bon. C'est effectivement... Il y a effectivement un petit côté chair à canon pour ces poneys-là. On va ranger ce qu'on a dans notre inventaire. On va faire la selle du Ptera. Ce qui nous permettrait d'aller chercher du cristal. Et on va continuer à farmer la peau, la peau, la peau, la peau. Il fallait du bois aussi. Hein, parce qu'on n'est pas si mal en tout là-dedans, non? Ouais. Ouais, bah, puis du bois et puis tout le tralala. Tout le tralala et le tout le tralala. Allez, mon petit, mon petit. Ah, t'as un as du merdier sur toi, toi. Attends, tu veux pas plutôt ça? Bah, je crois que. Oh. Pas trop de vitesse quand même. C'est vrai que j'avais mis dans les réglages qu'on pouvait augmenter la vitesse. Bon, toi, ça va être full. Full endu, mon ami, hein. Oups, hop, il n'y a pas de poids, mais bon. Ok. Reste donc ici pour le moment. J'étais en train d'upgrader un peu ma lance. Il me manquait du bois, toujours du bois. Ok. Puisqu'on avait récupéré un peu de métal, il me remonte 5, 25 de métal. Bah, on va laisser le temps que ça fonde. Hein. Faudrait que je recolle une autre forge, mais assis là. Attendez, on va peut-être faire ça. On va faire une autre forge. Ça ira quand même un peu plus vite avec deux forges. La forge en anglais, je sais jamais c'est quoi. Ouais, on va faire deux forges, ça ira plus vite quand même. Est-ce que je l'avais déverrouillé ça? Non. Hop. Bon, pourquoi je déverrouille? Parce que ouais, c'est pour si je meurs, je pourrais dire voilà, à tel endroit. Je vis à tel endroit, vous pouvez aller prendre toutes les ressources une fois que je serai morte. Hein, je pourrais dire ça sur le Discord à ceux qui jouent sur le serveur. Hop. Et tchac. Voilà, ça ira une chouille plus vite. Vraiment une chouille, hein. On va déposer. Qu'est-ce que je voulais déposer que je sors de chez moi? Bon, les carottes, on peut les garder. On va aller. Si on peut déposer la viande. Hop. On va pas fermer de la peau. On va aller se chercher du cristal. Je sais pas où je vais trouver du cristal sans mourir en plus. Parce que si je meurs en allant chercher du cristal, c'est la mégalouse. La vraie, la pure, la mégalouse. Hein. Mais c'est vrai qu'un bout de cristal, juste pour faire. Une longue vue, ce serait quand même chouette. Allez, on peut prendre ça pour mettre devant la porte. Voilà, merci. Ah, si, on peut mettre chaîne ici. C'est comme ça, les gens ont besoin de voir Shiki et Kawika. Voilà, quoi. C'est un peu tout. Je pense pas qu'il y ait du cristal ici. Où est-ce qu'on va trouver du cristal? Alors, je dois faire tellement attention à mon endurance. Puisque j'ai un piaf tout pourri. Tout, 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 tout pourri. Y a-t-il de cristal dans le... Je ne sais pas. On va regarder le poney. Regarde juste. 50 de toute façon. Est-ce qu'il y a du cristal là-dedans? Je sais plus ce qu'il y a dans le phare. À part peut-être une mort certaine. Oh, je meurs en tombant du phare. Non, j'ai 400 et quelques points de vie. Et ça serait la loose, hein. Non, on va rien y avoir. Ça aurait été rigolo d'habiter ici, mais alors, faut le courage de se taper les marches. Hein. Techniquement, bon, ça doit vite être lassant, mais il y a moyen de faire un truc très sympa dedans quand on a un bon constructeur. Il doit y avoir moyen de faire un truc rigolo. Bon, bah. Cherchons, cherchons quelque chose d'intéressant. On peut toujours regarder les niveaux des terras qui se posent, puisque j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Si on pouvait se faire un bon terra, 95, c'est déjà mieux. C'est pas... mais c'est déjà mieux. En même temps, faut pas oublier que si le terra meurt, j'ai de fortes chances de mourir aussi. Hein. Donc je pense qu'on en fera un, mais s'il est vraiment bon,
95, c'est le premier qu'il nous aurait fallu pour faire notre Kleenex. Ça aurait été bien. Prudence, 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 prudence. Ah, ouh, 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 Poneyland. Y a pas d'allosaure, y a pas de chicano. Le petit roquemoute là-bas. Attendez, parce que s'il est bien, on va le faire direct. Excusez-moi, je voudrais le poney, le petit alzan là. Là, lui, là, il est niveau combien? Il est niveau combien, copain? On le ramène comment? On le ramène en suivi, 85. On en a fait d'autres, des pas très gros level, mais on va regarder le niveau des autres quand même. Et pas peur, hein, je fais que passer. Lui. Je regarde juste s'il y a mieux. Hein. On peut dire pour la collègue. 140! Oh oui, il y a mieux! Reviens! Oh, celui-là, faut pas le perdre! Il faut pas le perdre! On l'a perdu? Il est là. Bon, bah lui, le 140, faut qu'on le fasse. Hein. On va attendre qu'il se calme. Et puis lui, on va le faire. On n'a pas de cristal, mais on continue notre petite collection de poneys. Le temps d'aller fermer les pots et de... Faudra qu'on aille tuer les tressés qui sont là. Faudra qu'on se décide à avancer, à tuer tout ce qui bouge, en fait. Hein. Va falloir, hein. Si je veux fermer celle, à un moment donné, se promener et tamer, c'est bien. Mais il faut fermer, il n'y a pas le choix avec Ark. Ark, c'est ça. Allez, on y va. Mais non, vas-y, poney de crash. Oui, je suis été un peu brute. Je suis été. C'est très français, ça. Oui, j'ai été un petit peu brutasse. Il est où? Balthazar, reviens! Bah, il est où? Oh, Manon! Oh non, on a perdu le poney 145. Il va pas être loin. Il est pas tombé. Dans la gorge à Gigano. Non? Bah alors? Oh, bah, je suis tristesse. Bah alors, il doit être dans le coin. C'est pas lui. Que je cherchais juste pas du tout du bon côté. Ça doit être lui, il est noir. À moins que ce soit un autre poney noir, attention. Hein, mais... Il doit être dans ce coin-là. Je pense que c'est lui, que je l'ai juste vu partir du mauvais côté. Non, chut, je suis pas là. Chut. Ouais, c'est lui. Debout. Ah, bah pourquoi je suis descendue? Remonte. Pourquoi je suis descendue? Je suis à 80%. Mais non, ouais, bah oui, j'ai fait peur une fois, puis là, je suis descendue. Pourquoi je suis descendue? Oh lolo, 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 je suis un boulet. Yes, oui, un boulet. Yes, oui, yes, oui, yes, oui, un boulet. Vous imaginez s'il faut faire des selles à tous ces canassons? On n'est pas au bout, hein. Par contre, si tu pouvais éviter d'aller trop loin, déjà que je vois pas où tu vas. Monsieur? Monsieur, dame? D'accord. Tu peux arrêter de faire ça? Heureusement que je prends pas de dégâts. Monsieur? Mais il va où? Ah bah il m'a ramené chez moi. Putain, heureusement qu'il est pas à moi, sinon il serait déjà mort. Hein. Il est complètement con, ce poney. Mais mon Ptera, il est de l'autre côté. Mon Ptera, monsieur. Mon Ptera, il est totalement à l'autre bout. Mon Dieu, mais il a passé toutes les montagnes. Mais les crétins spawnés. Mais c'est quoi cet animal? Oh merde, il est trop con. Oh là là, mais sérieusement. Et on est qu'à 29%, c'est quoi cette blague? Pourtant j'ai des carottes. Attendez, je viens de cogiter qu'on était à 29% d'apprivoisement. Non mais, tu vas te détendre, hein. On va finir sur le Carnot Alpha, là. Oh, mais il va où? Attendez, je regarde la prochaine carotte ce qu'elle fait, parce que de toute façon, avec un 80%. Ouais, 58, ça va encore, mais il faut vraiment qu'il arrête d'aller dans la Redwood. Hein. Moi, je vais pas dans la Redwood avec un machin comme ça. Hein. Oh là 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 là. Ah, 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 il est coincé. Il est coincé. C'est bon? Tu te calmes? Il va essayer de partir. Hein. Le problème, c'est que je vois rien. Ouais. Je vais m'en rendre compte quand il va essayer de me virer, quand même. Oh, s'il me vire de là et que je tombe... Ah non, je vais pas mourir là-dessus. Hein.
Hors de question. Hors de question, monsieur le poney. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es pas une chèvre! On est toujours pas morte? Non, mais soit tu montes, soit tu descends, mais là, tu me jettes pas d'ici, hein. Oh là là. Et c'est reparti! Et c'est reparti! Tout à l'heure, il va nous te foutre sur un gigano. Oh, bordel! Mais t'es complètement crétin, toi! Oh, bah toi! T'as un beau nom! Oh là là! Ok, mollo, 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 mollo. Bon, bah, l'avantage, c'est qu'on est à la base. Par contre, il faut que j'aille rechercher mon Ptera, moi. Oh, mais quelle andouille! Oh là là, il est même pas si bon que ça, en plus! On en a des pires. Ah, crétine! Pardon, c'est une femelle! Oh là là! Très bien! Ça te va très bien! Il est où mon Ptera, moi, maintenant? Mais quel bordel! Ah, il doit être là-bas. Et le blanc, on n'avait pas vu son niveau, hein. Quand même vérifier le niveau du blanc, tant qu'on y est. Hein? Tant qu'on est là. C'est bon, mon Ptera, elle a été bien sage. C'est un gentil petit Kleenex. Je vais juste regarder spawner là, parce que lui, je sais pas du tout son niveau. Et on va bouger. Non, 55, non. Bah, on va ramener. Ah, bah oui, c'est sûr qu'on était presque arrivé. On va ramener le poney crétin. Non. Pas comme ça, comme ça. Mais bordel de bordel de bordel. Merci. Et on ramène crétin. Hein? Et puis, bah. Puis, bah, j'ai toujours pas mon cristal. Donc, on repartir à la recherche du cristal perdu. Ça peut être pas mal. Bonjour les amis, je vous présente Crétine qui arrive au triple galop. Elle n'aura pas un nom de bouffe, hein, mais elle a un nom qui lui va très bien. Oh, gamin, elle est mignonne, arrivée comme une grosse crétinette. Non, on se moque, mais bon, un cheval qui te suit à ce point-là, c'est beau quand même. Quelque part, c'est quand même beau. Ouais. Sale bestiole. Allez, mets-toi là. Je crois qu'on a quelques poneys. Hein. Je suis pas sûre, hein, mais je pense qu'on a quelques poneys. Mettez-vous tous en neutre. Bah, on a toujours pas le cristal. Hein. Ah, bah, il y a des copains allosaures par ici. Et ils sont pas très très loin du camp. Le coin, c'est la plage là-bas. Ils sont pas monstrueusement loin du camp. Hein. On va pas se mentir. Ils ont moyen, en suivant des trucs, d'avancer un peu n'importe comment. Mais ils vont pas faire ça, ils vont être gentils, ils vont aller à l'opposé, hein? Alors ici, on a du métal. Flore rare. Mais on n'a pas l'air d'avoir de bout de cristal. J'essaie d'aller un peu sur tous les trucs en hauteur. Puisqu'en général, ça fonctionne bien. C'est fou, je me rappelle plus où est le cristal sur cette map. Je suppose qu'il y en a dans la montagne, mais dans la montagne, dans le volcan. Mais si je pouvais éviter d'aller en volcan. Là-bas, c'est les wyvernes, donc bien évidemment, on n'y va pas. Je vais essayer ce petit bout de montagne-là, et sinon, je vais partir totalement ailleurs. Oh, Quetzal! Hello! Comment ça va, copain? Ça farte? Ouais, tranquille? Et là, je fais un misclic et je me décèle. Ah, encore un poney. Il n'y a pas de gigano. C'est étonnant, ça. Encore un autre poney. Moi, jette un œil au poney. Hein. Ouais, il y a plein de poneys qu'on ne connaît pas, là. Je dis, il n'y a pas de gigano. Il va y voir qu'il y en a un qui va débarquer direct. Oh, il y a plein de poneys, là. Non, 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 arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. J'aurais dû prendre mon terrain suivi. J'aurais dû prendre mon terrain suivi, j'aurais dû prendre mon terrain suivi, bordel. Je suis pas concentrée. Reconcentre-toi, Ness. Reconcentre-toi. Purée.
80% de... Ah, fais chier, mais il faut que j'arrête de double-clic le R, en fait. En fait, je monte dessus, là, je sais qu'il s'énerve, donc je me prépare, je fais un R, et en fait, je le fais trop... tellement vite que j'appuie deux fois. Oh, joli, ça. Tu es un garçon ou une fille? Tu es un garçon. Oh, bien, 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 bon niveau, ça, même si on aurait pu faire beaucoup mieux. Comment on va t'appeler? Gigot? Voilà. Tiens, tiens, tiens. Ah, oh, j'ai eu peur. Je me demande ce que c'était. C'est un galli. Ok. Bon, bah, on a un nouveau poney. Et il y en a plein d'autres. On va jeter un œil, hein, quand même. Restez là. Je sais qu'il faudrait que je vous mette en suivi, mais... C'est compliqué, hein, de tout faire. Vous imaginez le poney s'il s'en va chez les Wyverns. C'est pas drôle. 95. Et toi? 55. Et toi? Hein, quitte à ramener un poney, autant ramener deux. Par contre, on n'aura pas de cristal. Hein. Ouais, on n'a toujours pas notre cristal hein, au final. Toi, c'était 95, c'est ça? C'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire. Ça va quand même pas faire beaucoup de mal, par contre, mais bon. Ce serait rigolo de partir carrément avec le troupeau. Ah, pardon. Bon, lui, je lui ai vraiment fait peur. Ouais, t'inquiète. Ah bah celui-là là-bas on l'a pas vu non plus. Il est loin ce con. Oh, s'il y a un carnivore qui arrive. Il fera pas ça. Va être gentil. Va être gentil le jeu. Il est gentil hein. C'est un gentil jeu ça. Oui. Et toi tu cours pas dans la Redwood comme un abruti. T'es niveau combien déjà? Mais je suis vraiment une brute hein. Bah c'est pas grave. On commence à avoir beaucoup de poneys. En avoir 50 ça sert à rien vu qu'on a toujours pas de sel. Sur tout le monde. Donc, ça sert à rien. On va ramener ça. On a quand même progressé. C'est pas si mal. C'est pas l'épisode le plus intéressant. Je suis désolée. Oh merde, j'aurais dû pas me prendre. C'est pas ça qu'il fallait prendre. C'est pas grave. J'en suis consciente. C'est pas l'épisode le plus intéressant. Mais bon, faut que j'avance. Hein. Faut quand même que j'avance. Que je fasse mon petit schmilblick. Et puis, bah, Ark, c'est long. Hein. Et encore, hein, je vous passe énormément de farming. Donc, bon, voilà, il n'y a pas trop le choix. Vous ne pouvez pas avoir que des épisodes avec des tas de trucs nouveaux et bizarres. Je ramène le copain. Bah alors, bonjour. Ah, bon, on va te prendre, toi. Bah, désolé, hein, mais bon, on crache pas contre un petit dans ce monde. Merci d'être venu là. Impeccable. Notre poney arrive. On va le ranger. Et on va aller faire un peu de pot, hein, il n'y a pas le choix. Hein. Là, tant que j'aurai pas des super sels de la mort, ou au moins assez de sel, ça va pas, ça va être trop dangereux. Et après, il faudra qu'on parte en vraie expédition. Du coup, comme il y a un carnot alpha qui nous gêne là-bas, le problème c'est que si on part de l'autre côté, on va avoir les serpents et tout ce qu'on veut bien. Mais va falloir, hein. Et donc là, on est en train de regarder, on est en train de discuter avec ceux qui viennent de Sco. Et bon, c'est vrai que de jouer au hardcore, tu joues, t'as jamais aussi bien joué de ta vie que quand tu joues au hardcore. Mais de vrai, hein, vraiment, puisque du coup, tu fais extrêmement attention à ce que tu fais, tu juges tout ce que tu fais. Bah oui, si t'es mort, t'es mort. Je veux dire, ça te fait bien bien jouer, hein, ça te fait faire attention. Bon, c'était pas un épisode hyper hyper intéressant. On a quand même tamé un poney crétin. Et du coup, on va arrêter là pour cet épisode, pour pas que ça fasse trop long. De toute façon, je continue l'enregistrement toute la journée. Donc, vous en avez encore qui arrivent, vu que bah, on n'est toujours pas mort. Hein. Bye bye! Everybody else's dream, what a comfort it would be.